J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reviens aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même décor que d'habitude. Nous sommes dans la troisième chambre de la maison que nous servons pour. On a une télé, enfin voilà, c'est plutôt une salle de jeux vidéo. Enfin, ouais. Tant que nous n'avons pas de deuxième enfant. Et comme il y avait le soleil de l'autre côté, j'ai préféré le faire ici. Parce que je filme tard et évidemment c'est en plein soleil, c'est une horreur à chaque fois. Donc plutôt que de jongler, je vous fais la vidéo donc dans cette pièce. Comme ça, petit à petit, vous voyez un peu toutes les chambres, enfin toutes les pièces de la maison. Donc je vous reviens pour un retour de vide-grenier. Donc j'y suis allée à samedi et dimanche, donc nous sommes lundi. J'ai fait un vide-grenier samedi et j'en ai fait trois dimanche. Donc j'ai trouvé des petites choses. Sans plus tarder, je vais commencer. Alors je vais commencer par celui de... Pardon. De samedi. Samedi, j'ai fait quand même pas mal de trouvailles. Notamment deux petites peluches. C'était ce jour-là. Donc cette peluche-ci, donc c'est à, vous savez, les petites micro-billes là, anti-stress. Voilà, donc c'est des Barba Papa, c'est Barba Belle, je pense, ou Barba, oh là là, je sais plus. Je sais plus, il faut que je revoie mes classiques. Enfin voilà, donc elle était trop contente. Hein. Un petit bourriquet, voilà, tout mimi, pas trop gros. La dame, elle m'a vendu quoi aussi? Elle m'a vendu ces trois figurines. Alors, tout d'abord, Ariel. Voilà. Aurore, qui fait office aussi de tampon. Et enfin, la Belle. Donc j'étais super contente. Et qu'est-ce que je sais plus quel livre c'était. Je lui ai pris des livres et le tout j'en ai eu pour 7 euros. Parce qu'après ce ne sont que des livres. Donc de toute façon j'ai calculé. En fait, grosso modo, les livres me sont revenus à 1 euro pièce. Hein, et les peluches plus les figurines, 2 euros en tout. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc sans plus tarder, je vais commencer parce qu'il y en a 21 livres si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai pris, je voulais les lui faire. Hein. Donc j'étais contente de les trouver. Celui-ci est pas, enfin, voilà, la couverture derrière est pas trop trop top. Mais bon, c'est les Monsieur Madame hein, de Hachette Jeunesse là. J'ai pris Monsieur Peureux. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est rien. C'est nos deux chinchillas mâles qui sont dans une cage séparée depuis qu'on a eu les petits. Parce que pour info, nous avions trois chinchillas. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, vous ne le savez pas. Nous avions trois chinchillas. Et elle a fait des petits. Elle en a fait trois. Il y en a un qui est mort, malheureusement. Et donc les deux autres, ils sont trop petits. Et donc on a séparé les mâles de la femelle et des bébés. Voilà. Pour la petite histoire. Donc si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est eux et aussi peut-être Pépette qui est au fond, enfin, dans l'autre salle. Et donc j'ai pris Monsieur Silence aussi. Voilà, je me souvenais pas qu'ils étaient aussi épais. Mais j'adorais cette collection quand j'étais petite. Donc du coup, si je peux, voilà, je vais essayer de la lui faire. Ensuite, le livre Hello Kitty au carnaval. Elle aime bien Hello Kitty, je l'ai trouvé, franchement, je le lui ai pris. Ensuite, une collection que j'aime beaucoup, l'imagerie. Cette collection-là. Là, c'est l'imagerie de la lecture niveau 1. Donc, c'est des éditions Fleurisse. Et franchement, j'en trouve pas mal. Et je les lui prends à chaque fois parce que je trouve qu'ils sont vraiment très, très intéressants dedans. Notamment celui-là qui est vraiment pour la lecture. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut être vraiment très, très intéressant pour des enfants en bas âge. Voilà, on va commencer à lire.
Ensuite, des éditions Hachette Disney, La Belle et la Bête, Le Noël Enchanté. Voilà, c'est les grands films. Voilà. Donc, comme tu dis, 1 € le livre, quoi. Ensuite, celui-ci, ben, je l'ai eu gratuitement. Parce qu'il était abîmé. Donc, c'est le Aladdin. Voilà, comme ceci. C'est là aussi, là par contre, ça c'est le Walt Disney Cinéma, mais ouais, un grand format. Enfin, il y en a tellement d'éditions au final, c'est dingue. Ensuite, comme je vous disais, toujours l'imagerie, il est un petit peu corné là, mais franchement, après, il est vraiment superbe. Donc là, c'est l'imagerie des animaux familiers. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment de très très belles images. Elle qui adore les chats, regardez, franchement. Il lui tardait que je fasse la vidéo pour pouvoir les prendre. Ensuite, j'ai trouvé Cendrillon, là aussi dans les Walt Disney Cinéma. Voilà. Évidemment, ça c'est mon conte de fées préféré, hein, ma princesse. Regardez vraiment les images magnifiques. Ensuite, je lui ai trouvé le théâtre de Barbapapa. Quand j'étais plus petite, j'avais l'école de Barbapapa. Et du coup, ben, je l'ai toujours. Et j'étais bien contente de lui trouver cette. Ben voilà, vous voyez, j'avais celui-ci, moi, quand j'étais plus jeune. Du coup, j'étais bien contente de lui trouver cette forme-là. Et j'ai vu qu'il y avait toute une collection. Donc, je vais essayer de les lui faire, parce qu'elle est vraiment à fond là-dedans. Ensuite, dans une ancienne, une vieille édition, je pense quand même, j'ai trouvé donc vous savez, le club du livre Mickey. Mickey et le haricot magique. Voilà. Ensuite, je passe parce que sinon. Ensuite, les classiques Disney. J'ai pris Cars. Oui, c'est Cars, tout court. Donc Disney Pixar, bien évidemment. Voilà. Il est. Franchement, il est en bon état. Rien à dire. Ensuite, j'ai trouvé donc de l'ancienne édition, on va dire. Walt Disney présente plutôt détective. On le voit hein, quand même, les dessins et tout. J'en avais quelques-uns moi quand j'étais petite. D'ailleurs, je les ai gardés. C'est Emma qui les a maintenant. Ensuite, j'ai trouvé le Peter Pan comme ceci. Je ne sais pas trop l'édition que c'est, ça. Je vous dis, il y en a tellement des différentes que. T'as regardé. Du clochard. Ensuite, j'ai trouvé le Toy Story. Alors, la couverture est un petit peu abîmée, mais c'est très rare quand je le trouve. Alors, j'ai dit, voilà, comme elle aime bien, je dis, je le lui prends. Voilà. Pour 1 €, hein. Ensuite, j'ai trouvé le Roi Lion Cinéma, édition cinéma, là. Il est magnifique. J'adore, enfin, j'aime beaucoup ce dessin animé. Le papier est relativement glacé. Pas glacé comme maintenant, ça se voit que c'est quand même une ancienne édition, mais il est vraiment en très bonne qualité. Ouais, ça se dit un très bon, ouais. De très bonne qualité encore. Malgré que la couverture, voilà, soit un petit peu sale, mais bon, on y passe à un coup, je pense que ça devrait aller. Ensuite, j'ai trouvé dans les classiques Frères des ours. Voilà, qui lui aussi est en très très bon état. Voilà, c'est plutôt ça. Plutôt très très bon état. Encore, j'ai trouvé l'imagerie, donc du poney et du cheval. Vraiment, je ne connaissais absolument pas cette collection. Et je vois qu'il y en a énormément. Si vous avez des enfants, voilà, comme moi, en bas âge, pour plus tard, c'est vraiment très 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 bien, je trouve. Hein. Et puis bon, je les trouve vraiment à 1 €. Ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas s'il y a le prix sur cela. Non, je ne sais pas réellement ce qu'ils peuvent coûter. Si vous le savez, dites-moi en commentaire combien ils valent dans le commerce. Et en fait, donc, l'imagerie de la Bible. Voilà. Donc ça, on est quand même relativement croyant de mon côté. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas. C'est bien, voilà, ça permet aux enfants de se documenter, de. Voilà, voilà.
Ensuite, j'ai trouvé, vous savez, dans les couvertures matelassées. Alors, c'est dommage, il est un petit peu crayonné dedans, mais après, franchement, il y a la première, il y a celle-ci aussi. Mais bon, je ne connaissais absolument pas ce dessin animé. Mais absolument pas. Donc, ben je le découvrirai. Du coup, je pense que je vais essayer de le trouver pour le regarder. Voilà. Donc, c'est les mondes de Ralph. Je sais pas. Voilà, voilà. Et enfin, pour finir, donc j'ai trouvé donc Disney Pixar, les Indestructibles. Donc là aussi, c'est la version cinéma. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup les Indestructibles. Et ensuite, là aussi, Disney Cinéma, mais matelassé. Voilà. J'ai trouvé La Princesse et la Grenouille. Et celui-là, c'est un qu'elle aime beaucoup. Je trouve que les couvertures à chaque fois sont magnifiques. Donc, je n'hésite pas à les lui prendre. Donc, voilà, c'est tout pour le samedi. Ensuite, donc hier. Hier après-midi, j'en ai fait un et je n'ai trouvé que ça. C'est le Barbapapa, la poterie. Bon, je commence à en avoir quelques-uns, mais il m'en manque encore. La dame me l'a fait à 50 centimes. Il est super bon état. Rien à dire. Ensuite, alors ça, il faut que je voie avec mon papa. Parce qu'en fait, la dame me l'a bien précisé quand je l'ai acheté. Normalement, il fait réveil et radio. Et même lumière, je sais pas. Sauf que là, apparemment, il manque un fil. Donc j'ai dit, vu que mon papa est bricoleur, je vais essayer de voir. Elle me l'a fait à 2 euros, alors que je pense que ça coûte quand même beaucoup plus cher que ça. Il faut qu'on lui change les piles, mais le réveil marche par contre. Et même, je viens de voir qu'il y a aussi des piles, je pense que c'est pour la lumière. Après, c'est la radio qui ne marchera vraiment pas. Mais le reste, je pense que ça marchera. Que dire de plus? Mais voilà, je trouvais ça super mignon avec Mickey, vu qu'elle est quand même pas mal dans les Disney, j'ai pas hésité. C'était même dans sa boîte. Vous voyez, il montre qu'en fait ça fait de la lumière. Voilà. Au plafond. 2 euros, j'ai dit franchement, même ça fait que réveil, ça fait toujours une petite déco. C'est pas mal du tout. Ensuite. Je lui ai trouvé là aussi pour 2 euros. La dame a été gentille comme tout. Ça s'appelle la bibliothèque Leap Pad. Alors c'est à partir de 4 ans. Ce sont avec des, vous voyez, des livres comme ceci. Il y a une cartouche à mettre. Hein, et en fait avec un stylo, vous appuyez sur certaines syllabes et ça vous apprend à lire. Donc j'ai trouvé ça vraiment super super sympa. Et pour le prix, franchement, 2 euros, il y a juste les piles à changer. Donc comment dire que vu le prix que ça doit coûter en magasin, j'ai fait une affaire. Ensuite, la dame également vendait ceci. Ça aussi à 2 euros. C'est une petite voiture, avion, je ne sais pas trop. Télécommandée. Et ça fait du bruit, évidemment, en plus. Là, je ne l'allume pas. Enfin, voilà, elle l'a déjà testée. Elle adore. Et je ne sais pas de quelle marque c'est. Apparemment, c'était pour les pots. Ah, mais si, My Little Pony. Voilà. Voilà. Parfois, je vais. Ensuite, j'ai trouvé donc Barbapapa la cuisine. Donc je suis contente parce que je commence vraiment à avoir une bonne petite collection là. Ensuite, dans cette collection, la bibliothèque rose. Donc c'est pour plus tard, mais bon, c'était la Reine des Neiges, jeu d'enfant, et la Reine des Neiges des surprenants visiteurs. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment les prix. Mais je les ai eu 50 centimes.
l'un. Donc franchement, ça valait le coup. Celui-ci, je l'ai eu à 1 €. Donc c'est 45, je vais y arriver. Histoire de mes héros préférés. Non, même pas, 50 centimes, pardon. 50 centimes. Donc voilà, c'est sûr. Pas, il y a Oui-Oui, il y a Franklin, Charlotte aux fraises, Monsieur Madame, Badou et le livre de la jungle. Donc franchement, j'étais ravie. 50 centimes. Et enfin, pour 2 euros, j'ai trouvé. Alors, elle vendait aussi le tome 1, mais elle voulait pas me le baisser alors qu'il y avait une page d'arraché. Donc, du coup, j'ai pas. J'ai dit, ben non, je vous le prends pas. Donc, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 des 365 histoires pour le soir. Voilà, il me manque donc le 1 puisque j'avais déjà le 4. Et voilà, et j'ai pris le tome 3. Donc, j'étais trop trop contente. Vraiment, super bon état. Cela, vraiment contente, hein. Un peu poussiéreux, j'ai l'impression, mais bon, rien de grave. Donc, je suis contente parce que je vais avoir fini bientôt la collection. Fini pour un autre sac. Ensuite, il y avait une dame qui faisait un lot comme ça de livres à 2 euros. Donc, j'ai dit, même si il y a des livres qui m'intéressent, bon. Comme je vais faire un vide-grenier, excusez-moi pour le bruit, assez rapidement, j'ai dit au pire, je le revendrai, hein, c'est vraiment un souci. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs, bon, je ne sais pas si je les garderai là, c'est les belles histoires. Donc, c'est On a volé la princesse. En fait, c'est comme un petit magazine. Voilà. C'est de. Après les belles histoires, je lis, j'aime lire. Donc là, c'est les belles histoires et après, il y a j'aime lire. Ça vaut quand même 5,50 € à la base, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, celui-là est très très mignon. C'est Je découvre les 5 sens. Donc avec une couverture matelassée. Super mignon. Franchement, je trouve que vraiment. Pour justement, l'âge à ma pépette, ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, donc, les belles histoires, toujours pareil. Voilà, bon, ils sont pas un super bon état, mais bon, comme je dis, pour 2 euros, franchement. Histoire pour les petits. Bon, non, il n'y a pas le CD, mais c'est pas grave. Yaku. Puis bon, ce truc, au pire, je peux les lui donner. Si elle les déchire, c'est pas grave. Vous voyez, là, il est un peu disloqué. C'est un truc spécial dauphin. Histoire pour les petits, encore. Vous voyez tout ce que j'ai eu pour 2 euros. Il y avait même l'histoire enchantée de Peter Pan, donc cette collection-là, donc qui est vraiment très 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 vieille quand même. Donc vraiment ravie. Ensuite, histoire pour les petits, de nouveau. De nouveau, histoire enchantée Robin des Bois. Donc là, j'étais ravie aussi. Autocollant de chevaux et poneys. Ouais, ça a été fait. Frédéric et le panda. Charlie, une journée à la ferme. Je passe parce que bon, pas des livres non plus. Mon beau livre de contes. Il y en a quand même quelques-uns. C'est un vieux livre, ça se voit. Mais bon. Le monde de Nemo, mais je pense que celui-là, je l'ai. Donc je pense que je le revendrai. Ça vient des éditions Atlas, le cerf. Youpi, j'ai compris. Celui-ci, je suis contente. La maison de Mickey joue et apprend avec Mickey. J'aimerais bien lui faire la collection, donc ça tombe très bien. J'en ai, je commence à en avoir un. Le monde des animaux, donc ça fait des stickers et tout ça. Vous voyez. Hop. Copain, le pingouin. Oui, il y en a quand même des sympas. Hein. Gare à l'ogresse, Hansel et Gretel. Le roi lion, mais je l'ai. Et un récréation. Voilà. Donc ça, c'était le petit lot à 2 euros. Vous voyez tout ce que j'ai eu, hein, pour 2 euros. Et ensuite, donc, ça, c'est... je sais plus si... C'était à deux personnes différentes. Il me semble, je sais plus, force. Donc, j'ai trouvé.
des éditions donc Le Club du Livre Mickey, Pocahontas, une légende indienne, Aladdin et Bambi perdu et retrouvé. Ensuite, là, trop contente. 365 nouvelles histoires pour le soir. Donc, comme ceci, il est magnifique. Il est vraiment. Je ne connaissais absolument pas celui-là. Il est en super bon état. Je suis mais vraiment trop contente. Désolée. J'ai appuyé sur la manette de la télécommande de la voiture radio. Voilà. Ensuite, l'imagerie de l'histoire, cette fois-ci. Donc là aussi, je commence à me faire une petite collection. L'imagerie de la nature. Oh là, ça commence à tanguer. Dans les classiques, j'ai trouvé Mulan. J'ai trouvé La Belle et la Bête, donc cette édition-là. J'ai trouvé Bambi. Et j'ai trouvé Le Retour de Jafar. Ensuite, j'ai trouvé Au Royaume de Noël, Contes Merveilleux, donc de Disney. Il y a 19 fabuleuses histoires de Walt Disney, donc Blanche-Neige, Bambi, La Belle et la Bête et bien d'autres personnages dévoilent au fil des pages de merveilleux contes de Noël. Le seul truc, c'est qu'il manque une page qui a été déchirée. Mais franchement, pour le prix, j'ai payé 1 €. Et il est juste après, voilà. C'est des contes de Noël avec, voilà, Bambi, vous voyez, fait. Je ne connaissais absolument pas et donc je suis ravie, même si, voilà, pour 1 €, je suis trop contente. Et enfin, pour finir, ouais, c'est la dernière chose, j'ai trouvé donc Ratatouille des Disney Pixar. Donc, comme ceci, vous savez, avec la bande. Normalement, il me semble que c'est de l'autre côté, je ne sais plus. Comme je vous dis, ils font tellement d'éditions qu'on ne sait plus à force. Quand on veut faire une collection, c'est compliqué. Et j'avais que. Pour Ratatouille, il me semble que j'avais que celui de. Allez, je vais y arriver. Club du livre, donc. Mais bon, après, c'est pas. Je viens de me rendre compte, je n'avais pas regardé, que ce n'est pas les dessins du. C'est pas tiré du. Du dessin animé. Mais c'est pas grave, je le trouverai bien. Écoutez, voilà, ce haul est terminé, là. Il commence à faire gris. Charmant. Oh non, qu'est-ce que je dis? Non, non, il me reste encore une chose à vous montrer. Je lui ai trouvé une petite moto comme ceci à 3 euros. Elle est ravie, elle est trop contente de pouvoir s'en servir. Écoutez, t'as mieux. Et pour 3 euros, franchement, j'étais vraiment contente parce qu'on l'a. Il y en avait une qui lui plaisait à Auchan. Elle était à 20 euros, il me semble. Oui, j'avais dit pourquoi pas pour son anniversaire et tout, mais bon, c'est encore loin quoi. Donc, du coup, quand je l'ai trouvé là à 3 euros. Allez, j'ai dit pour cet été, c'est nickel. Cette fois-ci, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore. C'est avec plaisir que je vous accueillerai parmi ma famille YouTube. Dites-moi si voilà, ça vous fait plaisir de temps en temps que je change là aussi de décor. Et que vous dire de plus? Ben merci encore à mes abonnés. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!